Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette tranche économique hebdomadaire dont voici les titres. Focus sur le secteur privé ce soir. Combien d'unités ou d'entreprises opèrent-elles au Togo? L'Office togolais des recherches OTR veut désormais avoir une idée précise de la situation. Dans cette édition, les résultats de sa campagne lancée à propos. C'était du 21 novembre 2021 au 23 mars 2022. Investissement direct étranger IDE au Togo, que retenir au quatrième trimestre 2022? La réponse dans cette édition également. Hors du Togo, avec un tour au siège de la commission de l'UEMOA à Ouagadougou pour prendre le pouls du secteur privé sous-régional par le biais de la chambre consulaire régionale, l'organe régulateur du 10 secteurs. C'est notre entretien de ce jour. Thème, l'état de santé financière du secteur privé sous-régional face aux conséquences des crises, celles sanitaires parlant du Covid-19 et celles économiques parlant des conséquences directes de la guerre russo-ukrainienne sur les activités de ces entreprises. Madame, monsieur, une fois encore, bonsoir et merci de votre fidélité. Eh bien, le journal de l'économie de ce mardi 14 mars 2023, voilà, c'est parti. Coup de projecteur ce soir, je le disais tantôt, sur le secteur privé. 65 958 unités économiques ou encore entreprises dénombrées au Togo. Le Grand Lomé exclu, bien sûr. Voilà les données publiées par l'Office togolais des recettes OTR. En février dernier, des résultats émanant d'une campagne de collecte menée de novembre 2021 à mars 2022. Ce soir, nous revenons sur la nomenclature même de ces unités avec les précisions de Sandra Aziagbe. Suivez. Recensement fiscal des entreprises au Togo. 65 958 unités économiques sont dénombrées sur l'ensemble du territoire, à l'exception du Grand Lomé par l'Office togolais des recettes OTR. Cette campagne de collecte est faite du 27 novembre 2021 au 23 mars 2022, ceci dans les 6 divisions régionales de la direction des opérations fiscales régionales et dans la commune d'Agwenivé 6. Il en démontre que la région des plateaux, la plus vaste d'ailleurs au Togo, compte le plus grand nombre d'entreprises. Précisément, 18 646, soit 28,3% des unités dénombrées. La région maritime, avec 13 280, est la partie du pays qui abrite le deuxième plus grand nombre d'entreprises. La région des savanes compte 12 279 unités, alors que les régions de la Kara, la centrale et la commune d'Agwenivé 6 comptent respectivement 9 744, 10 093 et 1 914 unités économiques. 5 078 sont des structures étatiques, 58 408 des sociétés et entreprises unipersonnelles, alors que 796 entités sont des associations, ONG, organisations internationales, mutuelles et projets. S'agissant du secteur d'activité, 69,4% relève du secteur tertiaire, 30,5% du secteur secondaire et 0,2% du secteur primaire. Ces nouvelles informations, selon l'OTR, permettront la mise à jour du registre des contribuables, car, indique-t-il, la multitude de nouvelles entreprises enregistrées au centre de formalité des entreprises CFE chaque année sont méconnues des institutions publiques. Ces données, apprend-on, sont aussi indispensables dans le cadre de l'élargissement de l'assiette fiscale. Cette opération de recensement intervient après celle effectuée dans le Grand Lomé en 2018. Plus de 65 958 unités ou entreprises dénombrées au Togo, le Grand Lomé exclu, c'est vrai, mais quel est au juste le point des investissements directs étrangers IDE au 4e trimestre 2022 dans le 10 secteur? La réponse ici avec Gisèle Kozona. 13 projets examinés, 12 agréés par le comité togolais d'octroi d'agrément pour un montant total de 43 milliards de francs CFA. Des investissements attirés par le Togo au 4e trimestre 2022 dans plusieurs secteurs. Le textile, le bois et la construction, l'agroalimentaire, la mécanique et les services. Les investissements directs étrangers ont été au cœur de cette dynamique, représentant 99% du montant total des projets approuvés.
Les investisseurs indiens et singapouriens ont dominé les chiffres avec 11 milliards de francs CFA chacun pour 4 et 2 projets respectivement. Un seul projet chinois a été approuvé pour un investissement de 172 millions de francs CFA. Cependant, seul un faible pourcentage des projets approuvés étaient pilotés par des capitaux nationaux, soulignant la nécessité de développer davantage l'investissement national. On se félicite de ces chiffres encourageants à Lomé en précisant l'importance de ces investissements pour la croissance économique du pays. Le ministère de la promotion de l'investissement avait annoncé en décembre dernier que le Togo avait accumulé 24 nouveaux projets d'investissement pour un montant total de 107,1 milliards de francs CFA à la fin du troisième trimestre 2022. 10 de ces projets étaient admis au régime de zone franche et 14 alignés sur le code des investissements. Ces résultats sont le signe d'une économie togolaise dynamique qui attire de plus en plus l'attention des investisseurs étrangers. Un dynamisme qui s'inscrit dans une tendance plus large d'augmentation des investisseurs étrangers dans le pays après ses performances remarquables dans le doing business et une série d'opérations de promotion commerciale en dehors du pays. En 2020, par exemple, les investisseurs directs étrangers avaient bondi de 85% en tendance annuelle passant d'environ 191 milliards de francs CFA à plus de 352,5 milliards de francs CFA. En 2021, 38 projets ont été approuvés pour un montant total d'investissement prévu de 277 milliards de francs CFA stimulés par l'ouverture de la plateforme industrielle d'Adetikopé. Cependant, la région maritime reste la plus attractive pour les investisseurs, relevant la nécessité de poursuivre les efforts pour attirer les investissements dans d'autres régions du pays. Nous poursuivons cette édition avec les échos du secteur privé, les derniers échos j'allais dire, et avec cette brève, quelle stratégie pour faire du secteur privé industriel un levier du développement économique? Mieux, comment booster l'industrialisation du Togo et faire du secteur industriel un levier de développement économique? Voilà l'interrogation ou la question au centre ce mardi 14 mars 2023 des échanges entre les acteurs du secteur privé, le gouvernement et les institutions financières internationale dans le cadre de la deuxième édition des universités de l'Association des grandes entreprises du Togo, AGET. Rappelons que selon les dernières données officielles, le secteur secondaire a contribué à 22,70% du PIB du Togo en 2020. Un apport trop petit selon les entrepreneurs qui estiment qu'il y a beaucoup d'atouts pour renverser cette tendance au Togo et qu'ils peuvent en faire plus. Restons dans le secteur privé pour ce gros plan sur le nouveau système automatisé de tracking ou de suivi des marchandises depuis le point de départ jusqu'à la destination finale. Une initiative de la CCI Togo et de l'OTR. Quel est l'objectif final? Mieux, que recherche-t-il l'OTR à travers ce nouveau système? Carmen Madje Akapo pour les réponses. Suivez. L'expédition des marchandises en transit est souvent confrontée à des difficultés. Parfois, la marchandise peut se perdre, ce qui crée d'énormes pertes de recettes fiscales pour l'économie. Aujourd'hui, les acteurs de la chaîne logistique peuvent se réjouir. La CCI Togo met à leur disposition un nouvel outil de tracking de marchandises, le M-Tracking. C'est un système simple, digitalisé, qui permet de suivre les marchandises en transit en toute sécurité. C'est une nouvelle plateforme de tracking de marchandises en transit. La différence étant par rapport au système traditionnel connu, je parle du GPS, étant que là, nous n'utilisons plus ce genre de balise, lourde, coûteuse, plus ou moins difficile à implémenter. Mais là, nous avons ce que nous appelons des puces, des tags RFID. C'est-à-dire que ce sont des petits dispositifs autocollants qui comportent un petit système électronique, une micro-carte mémoire et qui coûtent moins
que le prix d'un BIC. Nous n'avons plus de problème de gestion d'immobilisation. Nous n'avons plus de problème de rapatriement de balises en fin d'itinéraire. Et surtout, nous n'avons plus de problème lié à la consommation d'énergie. Parce que, toujours, je fais le parallèle avec le système traditionnel des balises GPS, nous avions besoin de nous connecter aux batteries des transporteurs qui, parfois, pas totalement efficaces, pouvaient s'avérer en panne, en cours de route, ce qui faisait perdre le signal de ce genre de balises. Sans compter le coût. J'ai fait le parallèle en des balises qui peuvent coûter 1 000 $. En plus d'être fiable, le M-Tracking est gratuit. Les acteurs s'en réjouissent. Avant, il y avait des balises, mais c'était des balises de l'OTR. Et avec OTR, on avait énormément de difficultés parce que le dialogue n'était pas facile. C'était toujours des problèmes de rapport de force, des problèmes de pénalités. Figurez-vous que le transporteur payait parfois des pénalités qui dépassaient les recettes de son activité. Alors qu'avec ce système, tout est fluide, clair, transparent. Et l'ancien système posait beaucoup de problèmes. Il y avait même des moments où le camion, après chargement, devait attendre 2-3 jours parce qu'il y a pénurie de balises. Ça nous donne plus d'assurance qu'à un point T, vous vous connectez, vous saurez exactement la position de votre camion. Vous pouvez situer, bien vous-même, vous pouvez vous situer de la position exacte et voie électronique, le passage vidéo de votre camion. L'expédition des marchandises en transit fait intervenir une pluralité d'acteurs dans la recherche permanente de la position de la marchandise tout au long de sa traversée. C'est à ce besoin que répond le tracking des marchandises en transit en temps réel. Un véritable atout, quel que soit le mode de transport utilisé. Et là, nous avons un dispositif que l'on dit en anglais « one time use » parce que pouvant être désactivé logiquement sans besoin de rapatrier ce dispositif. Vous le mettez sur un matériel, il sort du territoire douanier, du moins sur l'itinéraire défini. Nous n'en avons plus besoin. La désactivation ne se fait plus physiquement, comme dans le cas des balises GPS, mais cette fois-ci de manière logique. La balise s'en va au Bénin, au Ghana ou au Burkina, nous n'en avons plus besoin. C'est comme un verre jetable, léger, portable, efficace. Vraiment abordable. Avec le M-Tracking, le Togo va entrevoir de nouvelles perspectives pour le commerce et le transport des marchandises dans la sous-région. Restons toujours avec Carmen Madiaka pour échangeons de secteur pour nous intéresser au secteur bancaire avec Coris Bank qui s'invite à travers son produit innovant Coris Academia dans l'enseignement supérieur. De quoi s'agit-il et quels sont les résultats attendus? C'était hier la signature de convention entre les deux parties. Carmen Madiaka pour les précisions. Au Togo, le taux d'inclusion financière est passé de 82,72% à 85,72% en 2021. Les nouvelles ambitions de l'OME pour renforcer l'inclusion financière sont portées par une stratégie nationale d'inclusion financière adoptée en 2021. Plusieurs institutions bancaires, à l'instar de Coris Bank, accompagnent le gouvernement dans cette dynamique. Le produit Coris Academia l'illustre à suffisance. C'est un partenariat inédit parce qu'au-delà d'avoir un compte bancaire au niveau de Coris pour tous les étudiants, dont les 15 000 que nous gérons et les étudiants que nous allons gérer après, nous permettons à ces étudiants de rattacher ce compte à un porte-monnaie électronique que nous appelons Coris Money. C'est-à-dire qu'une fois que les allocations virées, l'étudiant a la possibilité de virer cette allocation sur son porte-monnaie électronique et de le retirer partout au Togo. Et actuellement, nous avons plus de 2500 points de vente qui acceptent
les paiements correspondants. Et donc, ça permet à l'étudiant de suivre calmement ses cours, puisqu'il peut faire ses retraits à 22h, à 23h après les cours, sans qu'il soit perturbé, sans qu'il soit obligé d'aller dans une agence bancaire. Naturellement, s'il veut aller dans une agence bancaire, les agences sont ouvertes. Au-delà de l'agence dédiée, il a la possibilité aussi d'avoir une carte bancaire gratuite et de faire ses retraits dans nos guichets automatiques et aussi dans les guichets automatiques qui acceptent le label Jim Yomoa, qui est en fait les guichets automatiques de toutes les banques auto. Nous sommes disposés aussi à faire des avances en attendant le virement dû par l'État dans le cadre des allocations pour les étudiants. Coris Bank met donc l'éducation et la science au cœur de ses préoccupations. Une agence spéciale sera dédiée au Coris Academia pour accroître le taux de bancarisation dans le monde estudiantin. Ainsi, tout étudiant, qu'il soit du public ou du privé, peut facilement ouvrir un compte Coris Academia sans frais. Nous passons par la direction des bourses et des stages qui nous envoie la liste pour les étudiants qui ont des allocations. Et les autres étudiants qui peuvent être dans des universités privées peuvent nous approcher directement pour bénéficier d'un compte Academia. Nous avons un compte dédié où il suffit d'avoir juste une pièce justificative, un document d'identité, d'avoir deux photographies de même tirage, d'avoir une adresse pour la localisation et nous ouvrons le compte pour l'étudiant. Il n'y a quasiment pas de frais, nous percevons juste 2000 francs par an, soit 500 francs par trimestre. Pour les étudiants du privé, c'est quasiment les mêmes conditions que nous reconduisons. Coris Bank offre des produits et services bancaires à contextualiser aux réalités du Togo. L'idée est d'améliorer la vie des populations. Ce sont des gammes de produits et services élargis qui répondent tant aux exigences de l'offre de la finance conventionnelle que celles du financement alternatif et participatif, histoire de faire la banque autrement. Merci Carmen Madje Kakbo. Lutte contre l'inflation dans l'espace 8 mois, la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, augmente de nouveau un peu moins de 3 mois après la dernière hausse, son taux directeur de 25 points pour le porter à 3%. La mesure prend effet à partir de jeudi 16 mars prochain. Mais qu'est-ce qu'une telle disposition va-t-elle effectivement changer? Ulrich Amega s'est intéressé à la question. Suivez sa réponse. Un peu moins de 3 mois après la dernière hausse, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, augmente de nouveau son taux directeur de 25 points pour le porter à 3% à compter du 16 mars prochain. C'est ce que l'on retient de la réunion du comité de politique monétaire de l'organe d'émission sous-régionale à son siège de Dakar. Le taux directeur représente le taux auquel la Banque centrale prête ses ressources aux banques commerciales de la sous-région. Sa hausse s'inscrit toujours dans le cadre de la normalisation graduelle de la politique monétaire de la BCAO, avec pour objectif d'étouffer l'inflation. Elle devrait contribuer à ramener l'inflation dans l'intervalle cible de la Banque centrale de 1 à 3% sur le moyen terme, annonce la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. En effet, bien que l'inflation dans l'Union ait commencé à baisser, elle reste à un niveau élevé, se situant à 6% en janvier 2023, après 7% en décembre 2022. La baisse observée a été notamment soutenue par les bons résultats de la campagne agricole 2022-2023, ainsi que par les mesures de politique monétaire prises par la Banque centrale et les efforts des États pour lutter contre la vie chère. Ceci étant, le taux d'inflation est ressorti supérieur à 7% en janvier 2023 dans plusieurs pays de l'Union, notamment au Togo. Cours des devises pour poursuivre cette édition. Le cours de ce mardi 14 mars 2023 se présente comme suit. Dollar US, dollar américain donc. À l'achat, c'est à 610,500 et à la vente, 617,500. La livre sterling GBP, 743,250 et 750,250 à la vente. Franc suisse CHF, 669,00 et 675,00 à la vente. Dollar canadien CAD, 444,250 et 451,250 à la vente. Yen japonais,
4,565 à l'achat et 4,625 à la vente. Yuan chinois, 88,500 à l'achat et 90,250 à la vente. Dirham Émirats Arabes Unis, 165,750 et 168,750 à la vente. Quant à l'euro, à l'achat comme à la vente, c'est à 655,957. Je le disais tantôt en titre de notre entretien du jour avec notre rubrique Les Échos de l'UMOA. Ce soir, nous allons nous intéresser au secteur privé communautaire régulé par la Chambre consulaire régionale de l'UMOA. Thème du jour, l'état de santé financière du secteur privé de la sous-région face aux conséquences directes de la crise sanitaire et de l'actuelle crise économique engendrée par la guerre russo-ukrainienne. Quel est l'état des lieux? Je vous laisse suivre ce débat, bien sûr, cet entretien plus tôt. L'invité de l'intégration qui a l'immense honneur de recevoir aujourd'hui Daouda Koulibaly. Daouda Koulibaly, c'est le président de la Chambre consulaire régionale de l'UMOA. Monsieur Koulibaly, monsieur le président, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être chez vous au sein de la commission de l'UMOA. Merci. Je rappelle que la Chambre consulaire régionale est l'organe consultatif de l'Union, donc créé par la conférence des chefs d'État et de gouvernement et dont la principale mission est le développement du secteur privé communautaire. Absolument. Monsieur le président, comment se porte aujourd'hui le secteur privé communautaire, avec dans ce contexte que nous connaissons, guerre en Ukraine, flambée des prix, au niveau du pétrole, du gaz, etc. Comment se porte le secteur privé communautaire? Merci. Je voudrais vous remercier de l'invitation et dire que je suis très heureux donc d'être là. Alors, le secteur privé communautaire aujourd'hui, est, comme à l'image hein, de tout le secteur privé, c'est un peu en souffrance du fait des chocs que vous avez évoqués. Mais nous avons l'avantage d'avoir un secteur privé résilient, qui se bat avec les armes qu'il a et qui essaie de faire face à tous ces chocs-là. Vous l'avez dit, hein, donc il y a eu la COVID. Et pendant que nous pensions sortir donc la Covid, il y a eu donc la guerre russo-ukrainienne et avec des difficultés d'approvisionnement, avec des flambées de prix, avec tout le corollaire donc de soucis qu'on connaît. Mais nous avons un secteur donc qui a su faire le dos rond, qui attend en fait que ça passe et qui en fait est très résilient. À l'image des économies de l'Union. En fait. À l'image des économies de l'Union et donc quand on regarde effectivement les économies de l'Union, on se rend compte que nous avons la chance, l'avantage d'avoir dans notre zone des pays qui continuent en fait donc d'avoir des croissances importantes de PIB et, parce qu'aussi donc derrière il y a un secteur privé fort et un secteur privé résilient. Alors qui parle de secteur privé parle bien sûr d'accès au marché public. Oui. Alors récemment en septembre 2022, le Conseil des ministres de l'Union a adopté un certain nombre de textes relatifs au partenariat public-privé. Quelle lecture faites-vous de l'adoption de ces différents textes réglementaires? Alors, nous sommes très heureux hein, donc, de l'adoption de ces textes-là. Et je voudrais rappeler que nous avons contribué, nous avons participé donc, aux différentes étapes au processus donc, de l'élaboration de ces textes. Mm-hmm. Donc, nous ne sommes que très heureux que ces textes-là donc, aboutissent. Nous attendons donc de voir que ces textes-là soient déclinés dans les différents pays et qu'ils rentrent effectivement donc, en application. Mais sinon, c'est une initiative vraiment que nous saluons et à laquelle nous adhérons. À côté de ces textes, il y a également l'élaboration de la stratégie de développement du secteur privé qui se poursuit et également qui sera cette stratégie bientôt aussi soumise au Conseil des ministres. Alors, c'est en plus encore pour renforcer l'adoption des textes qui est intervenu en septembre 2022. Absolument, c'est un plus donc, parce que ça permet d'avoir une réflexion commune. Nous sommes une zone, nous sommes une communauté et nous avons besoin de regarder tous ensemble dans la bonne direction. Adopter une stratégie qui permet donc, que tout le monde regarde dans la même direction, ça ne peut être en fait que bénéfique pour nous, ces opérateurs privés. Et donc c'est quelque chose que nous saluons et quelque chose que nous accordons, que nous voulons en fait donc saluer. Et nous en tout cas sommes prêts à apporter notre pierre à la rédaction de cette stratégie-là pour que, effectivement, le secteur privé et communautaire soit plus fort. Alors, comment vous intervenez au niveau de la CSR avec l'ensemble des chambres consulaires régionales dans les États membres?
Alors, nous avons donc, bien sûr, donc, le bureau de la CCR, avec bien sûr donc, à côté les bras techniques, les commissions techniques, les commissions donc, ad hoc, dans lesquelles tous les élus peuvent s'inscrire, sont membres d'ailleurs, et c'est eux, leur réflexion sur les sujets d'intérêt généraux qui permettent donc effectivement d'alimenter le bureau, ensuite l'Assemblée générale, et donc des recommandations sont faites aux plus hautes autorités de l'Union pour le bien du secteur privé. Et donc toutes les chambres, toutes les organisations de base sont impliquées. D'ailleurs, en début d'année, nous leur demandons donc de nous proposer des sujets, des thèmes qui leur tiennent à cœur. Et nous regardons en fait les thèmes qui reviennent le plus. Et c'est ceux-là que nous portons en priorité au sein des commissions techniques, au sein des commissions ad hoc. Et donc de là, la réflexion tous ensemble. Nous mettons ensemble notre intelligence collective et nous arrivons donc à fournir donc de belles recommandations que nous espérons en tout cas qui seront donc appliquées au monde. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir fait ce déplacement. C'est moi. Togo à présent pour nous intéresser au coût de certains céréales dans les marchés de référence. C'est une information qui nous est parvenue de l'ANSAT. Ce retour est signé Antoinette Omao Vovo. Prix des céréales égarées dans les marchés de référence du Togo se présente comme suit. Le prix du bol de maïs s'établit comme suit. Dans la région maritime, 650 et 700 francs CFA. Dans les plateaux, 500 et 550 francs CFA. Entre 600 et 700 francs CFA dans la région centrale. À Kara, le prix du bol de maïs varie entre 650 et 750 francs CFA. Dans les savanes, le bol du maïs est vendu entre 650 et 750 francs CFA. Taux moyen, 645 francs CFA. En ce qui concerne le prix du bol du sorgho, il est à 1100 francs CFA dans la région maritime, entre 950 et 1000 francs CFA dans les plateaux. Dans la région centrale, le prix varie entre 1000 francs et 1100 francs CFA. À Kara, 900 et 1200 francs CFA. Dans les savanes, le bol du sorgho est vendu entre 750 et 900 francs CFA. Le prix du haricot dans la région maritime est de 1500 francs CFA. Dans les plateaux, il est vendu entre 1150 francs et 1200 francs CFA. Dans la région centrale, 1700 et 1800 francs CFA. Dans la région de la Kara, le bol du haricot est vendu entre 1500 et 2000 francs CFA. Dans les savanes, 1250 et 1700 francs CFA. Quant au prix du bol du mil, il varie comme suit. 1400 francs CFA dans la région maritime, 1100 francs et 1200 francs CFA dans les plateaux. Dans la centrale, entre 1200 et 1300 francs CFA. À Kara, le prix du bol du mil varie entre 1000 francs et 1200 francs CFA. Dans les savanes, il est entre 1000 francs et 1250 francs CFA. Terminons avec le prix du bol du gari qui est à 1000 francs CFA dans la maritime, entre 650 et 700 francs dans les plateaux, dans la centrale 600 et 800 francs CFA. À Kara, le prix du bol du gari est à 800 et 900 francs CFA et dans les savanes, le prix varie entre 900 et 1200 francs CFA. Terminons cette édition avec les prix indicatifs du café du cacao pour les acteurs de ces deux filières. Le café Saint-Robusta à 860 francs le kilo du 1er au 15 mars 2023. Quant au cacao qualité supérieure, le kilogramme est égal à 1050 francs le kilo. Ce communiqué signé du secrétaire général des comités de coordination filière café cacao, M. Anselme Gouton. Madame, Monsieur, ce sera tout pour l'édition de ce mardi 14 mars 2023. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, plus précisément à 20h50. Bonne suite de nos programmes. Au revoir et à la semaine prochaine.